Seigneur Jésus, je voudrais vous partager cet enseignement sur la prière. Nous savons que, en vue d'approfondir notre relation avec Dieu, entre autres choses qu'il faut faire, il faut prier. Une bonne prière a la louange, l'action de grâce. Une bonne prière a les demandes et l'intercession. Mais une bonne prière a par-dessus tout la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Pour faire une bonne méditation de la parole de Dieu, il faut apprendre à prier avec la Bible. Jean-Paul II disait, la prière est un art, et comme tout art, elle s'apprend. Il faut apprendre à prier. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-moi à prier. Et la prière avec la Bible a ceci de plus, comme le dit saint Augustin, quand je parle avec ma parole, c'est moi qui prie. Quand je prie avec la Bible, c'est l'Esprit Saint qui prie en moi. Et saint Paul nous l'a dit dans la lettre aux Romains, l'Esprit Saint vient en aide à notre foi par des gémissements inestimables. La prière avec la Bible est un merveilleux exercice. Elle nous donne de faire en sorte que la parole de Dieu devienne non seulement notre nourriture quotidienne, mais aussi ce qui nous donne l'orientation. Jésus a dit que l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut lire la Bible de mille manières, mais la lecture amoureuse de la Bible, la lecture brillante de la Bible que les pères nous ont laissée, ils l'ont appelée la lectio divina. Une bonne lectio divina a cinq étapes, mais nous la faisons précéder par une première étape et il faut aussi prévoir une conclusion. Ça fera en plus ou moins sept étapes. La première étape, c'est d'abord la préparation. Il faut choisir un lieu calme, retiré, où on n'est pas dérangé, et se fixer un temps, choisir le texte. Je vous conseille de prendre le texte de la liturgie, le texte que la liturgie nous propose pour la première lecture, ou la deuxième lecture, ou l'évangile. Maintenant, commencez par invoquer l'Esprit Saint. Parce que seul l'Esprit nous apprend à prier comme il le faut. Il faut absolument commencer par invoquer l'Esprit Saint, par un chant, par une prière, vient Esprit Saint. Alors nous commençons donc par la première étape propre de la lecture, qui est la lecture. Comment lire? Et quel est l'objectif de cette première étape? L'objectif de cette première étape, c'est d'arriver à comprendre ce que Dieu dit en général dans ce texte. Il faut dire une fois à haute voix, deux fois à haute voix, même si on est seul, et même une troisième fois. Ne jamais dire « je connais le texte ». Avoir le pouvoir de le lire, de le relire et de le relire encore en se posant cette question. Qu'est-ce que le texte dit en lui-même? Deuxième étape qui est important, c'est l'étape de la méditation, la méditation. L'objectif de cette étape, c'est de dire qu'est-ce que ce texte me dit en moi, comment Dieu me parle. Après avoir lu deux fois à haute voix, je lis maintenant silencieusement. Je commence à ressentir dans cette lecture silencieuse un verset, une parole, deux versets qui me parlent d'une manière personnelle. J'essaye de me mettre à la place de celui à qui la Bible s'adresse. Je donne un exemple. Prenons par exemple la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Aussi bien, quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu réconciliait le monde avec lui-même dans le Christ, n'imputant pas aux hommes leur offense et mettant sur nos lèvres la parole de réconciliation.
C'est donc pour le Christ que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Dieu lui-même exhortant par nous, nous vous en conjurons pour le Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que ça donnera par exemple? Aussi bien quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, deviendra je suis en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez, tout est devenu nouveau. Tout cela vient de Dieu qui m'a réconcilié, moi, sous terre, avec lui, par Jésus-Christ, et qui m'a confié le ministère de la réconciliation. Dieu voulait me réconcilier avec lui-même dans le Christ, sans m'imputer mes offenses, en mettant sur mes lèvres la parole de réconciliation. C'est donc pour le Christ que je fais les fonctions d'ambassadeur. Dieu lui-même exhortant par moi, je vous en conjure pour le Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Voilà, je me mets à la place de celui à qui la parole s'adresse et j'écoute en moi quand je dis Dieu ne m'a pas imputé mes fautes, moi ce système. Je commence à murmurer cela, à reprendre cela, à mâcher cela comme une chèvre qui après avoir brouté commence maintenant à ruminer. Les pères de l'Église appelaient effectivement cette partie de la lecture divine, la rumination. Et il s'agit de reprendre dans mon cœur, dans ma conscience, la parole, de la tourner, de la retourner, de voir si j'ai déjà lu une parole comme ça, quelle incidence ça peut avoir en moi et en moi seul. La troisième étape maintenant, c'est la prière, l'oraison. Il s'agit de voir comment, ayant reçu la parole de Dieu, je réponds à Dieu en lui demandant la grâce que je ressens. Le Seigneur ne m'a pas imputé mes fautes. Alors, qu'est-ce que je lui dis à Dieu? C'est peut-être une action de grâce. Merci Seigneur, tu ne m'as pas imputé mes fautes. C'est peut-être une demande de pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas un bon ambassadeur de la réconciliation. C'est peut-être que le Seigneur veut me donner un enseignement précis. Sostène devient un ambassadeur de la réconciliation. Et tout cela, je l'offre donc à Dieu. Il est important que nous apprenions à prier à partir de la parole que nous ressentons. Et je voudrais profiter de parfois, dans nos prières, avec le prévière, après avoir lu la parole de Dieu, la parole qui est brève, que ce soit l'autre ou au verbe, on peut commencer à prier en demandant à Dieu de bénir ciel et terre, en oubliant d'offrir à Dieu la grâce de reçue ce jour. Notre prière commence par là. Et la quatrième étape, donc, c'est la contemplation. Je dois rester là, après avoir offert à Dieu ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Je reste là, en train de revivre cette joie d'être avec Dieu. Mais en fixant mon regard sur le verset qui m'a le plus interpellé et illuminé. Si, par exemple, c'est le verset « Aussi bien quiconque est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature » qui m'a fasciné, je commence à revoir ce verset tel quel. « Aussi bien quiconque est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. » Je reste là, écoutant Dieu qui me dit soutien, « Tu es en moi. À mon fils Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Je me laisse transformer par cette parole divine qui fait de moi une nouvelle créature. La cinquième étape, donc après cette contemplation, la contemplation où je reste, n'est-ce pas, là, revivant le verset qui m'a le plus interpellé, illuminé, je passe donc à la cinquième étape. Il s'agit de prendre une décision pour agir. Ok. Le Seigneur m'a dit que je suis une nouvelle créature, donc je dois peut-être cesser d'avoir peur de ceci. J'avais peut-être dans mes poches un grimoire que ma mère m'avait donné, ou si je le décide, parce que Dieu a dit que je suis sa créature, de me séparer de ça. Dans tous les cas, il est bon que j'agisse. Peut-être toutes les paroles ne peuvent pas me pousser à une action claire, mais l'action consiste aussi à partager. Je peux partager par SMS, à des amis, ce que moi j'ai vécu pour leur partager la grâce. Je peux partager cette grâce dans mon bureau, je peux la partager dans ma famille. Ça aussi, c'est l'action. Après l'action concrète,
Alors vient l'autre étape que j'appelais la septième, qui est l'extra. J'ai mis une première étape et une dernière qui sont extra, parce que la lecture, c'est cette étape claire. La dernière étape, c'est donc la conclusion, c'est un chant, c'est un pater, un pater noster, c'est un Ave Maria, c'est une action de grâce. Et je termine. Il faut commencer la lecture avec environ 15 minutes, après monter à 20. Une bonne lecture est entre 20 et 25, 30 minutes. Mais il faut savoir donner du temps à Dieu pour que Dieu nous parle. Ne négligeons pas la grâce de prier avec la parole de Dieu. Elle vient de si merveilleux que de laisser Dieu nous parler par sa propre parole. Prier en nous par sa parole est ce qui nous guidera. N'ayons pas peur des hésitations au début. Lancez-vous dans la prière avec la parole de Dieu et Dieu vous bénira. Amen.